Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jack 3 Bidule. Donc hier, c'est-à-dire, je pars dans mon explication directe là, boum. Hier, on était lundi, j'ai pas pu vous tourner de vidéo parce que j'avais la voix complètement explosée, la gorge horrible, là ça va beaucoup mieux. Donc, du coup, je vous ai pas tourné de vidéo parce que. Déjà, vous m'aurez pas entendu parler quasiment, j'aurais dit 2-3 trucs pendant la vidéo. Donc, je préférais pas vous tourner parce que franchement, ça valait pas le coup. Et un petit ordre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aussi, juste. Vous avez un bonus? Oui. Est-ce que c'est par là au moins? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour vous donner une idée du jeu, de combien d'épisodes va y avoir, on est à 27% du jeu. Voilà. 27% de l'histoire. Pas du jeu, juste de l'histoire. Comme j'ai prévu de vous faire que l'histoire, petit let's play de 15 vidéos, tout petit, hein, vraiment pas très long. Bon, peut-être un petit peu plus long que Golden Devil, mais pas très long du tout. Alors... vous voyez ici, c'est normal, c'est tout sombre, mais moi je vois pas grand chose. Hop, on récupère des munitions parce qu'on va faire un combat d'arène. J'ai encore un peu de mépris, donc je risque de parler en canard. Voilà, comme ça. Bref, cinématique. On va monter le son un peu. Je peux pas monter le son. Ok, on a eu le Volcano Shooter, qui est une arme bleue qui est hyper puissante. C'est pas ma préférée, mais elle est très très puissante. Ascenseur, merci. On va faire encore un petit combat d'arène et après on va pouvoir récupérer, si on gagne, notre troisième amulette et faire partie de Spartus. Je sais pas quoi. Alors, c'est une arme. En fait, on peut mitrailler comme ça. Tac, 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 tac. Et c'est très puissant. Aïe, est-ce qu'on peut... Ouais, on peut faire ça, c'est très très classe. C'est trop fort. Alors, par contre, ça se casse la gueule, mais il faut que j'aille où? Bonne question. Dégage. D'accord, faut que j'aille là-bas. Peux-tu te dépêcher, s'il te plaît? Surtout que ce bâtard me tire dessus. Y a-t-il des survivants? Non. Il nous reste combien de points de vie? Je ne peux pas. Voilà, histoire d'être sûr. Alors j'utilise parce qu'on vient de l'avoir. Donc ça peut toujours être sympathique. Aïe. Wow, 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 wow. Vas-y, les mecs, c'est des. C'est des grands spells. Des méchants qui a... Oh, plus de balles, plus de balles. Violence! Violence! Nora Bréville, là, je sais plus comment il s'appelle. De la vie, s'il te plaît, de la vie, je suis... Non, je peux en faire un... Oui, je peux en faire un petit peu. De quoi avoir un cœur. Non, tu t'en sens pas. Merci. Donc voilà, donc la dernière fois, on s'était arrêté. Voilà, je reprends l'intro normal à... À la cinquième minute, la dernière fois, on s'était arrêté juste avant ça. Donc voilà. Nice. Comment osez-vous transgresser la loi
années de service comme espion à Abbeville. Je te laisse une deuxième chance, mais ce sera la dernière. Espion, tais-toi, je t'expliquerai. Il y a un nid de métal Bold tout près d'ici. Ils sont après nos porteurs d'objets depuis quelque temps déjà. Je veux que tu te rendes au cœur du nid et que tu détruises toutes les créatures qui s'y courent. Je te dirai bien bonne chance, mais la chance ne suffira pas. Oh, ça va, cette mission n'est pas trop complexe. On va partir dans tous les sens. Il n'y a rien de spécial à faire. On va avoir un nouveau véhicule, ça c'est cool. Bon, c'est pas mon véhicule préféré, mais je l'aime bien quand même. Jeu du cirque. Donc on n'a pas eu notre troisième truc là et on n'a pas eu de nouvelle arme du coup, parce que le véhicule nous donne une arme pour nous récompenser. Et ben là on n'a pas eu d'arme. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est jamais ce que je veux dire parce que je parle dans un truc et je parle dans un autre truc. Après, je sais plus. La dernière fois, on s'est arrêté juste dans le petit truc après avoir tiré avec avec le truc, la tourelle. Voilà, je parle très français, machin, milieu chouette. Donne-moi un peu d'énergie, s'il te plaît. Ah. Alors, j'aurais pu me régénérer comme ça aussi. Bon, c'est pas grave. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 5 de Jack 3. Donc, je vous dis, ça va être un tout petit let's play parce qu'on est déjà à 27%, mais on doit être à 30%. Voilà. Je t'ai rien fait, mec. Je t'ai juste touché. Aïe. Voilà, nouveau véhicule. Avec Sid qui est dedans et qui nous attend. C'est parti. Un véhicule qui peut sauter toujours. Des petits sauts. Et qui tire ça, sauf que regardez bien ce qui se passe. C'est pas moi, là je ne fais que avancer et tirer. Regardez, ça se déplace sur le côté, automatiquement. Donc du coup c'est super cool. C'est vraiment hyper pratique. Voilà. Après, bon, en termes de vitesse, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je crois que c'est aussi une voiture de Jack X. Vraiment n'importe où, hein, c'est hyper cool. Et si on fait ça, hop, ça se retourne. Ça aussi, c'est hyper cool. Enfin, bref, véhicule tank, on va dire. Les autres, c'est des véhicules normaux. La libellule, c'est la. Bah, c'est la. La puce des dunes, c'est. Bah, c'est une sautante. La connexion pour l'accès a été perdue. C'est quoi? Jamais eu ça. C'est quoi ce bordel? La connexion. On s'en fout. Tant que ça perturbe pas la vidéo. Ce qui m'arrangerait beaucoup. Ce qui va se passer dans cette petite grotte, c'est que déjà on va avoir des petits champignons qui sortent du sol et qui vont nous attaquer, enfin je sais plus ce que c'est. Bon, vous allez voir, c'est des petits champignons orange tout moche. Voilà ça, je sais pas trop à quoi ça ressemble, à quoi c'est censé ressembler. Et en fait, dès qu'on aura passé tout ça, on va arriver dans une grosse salle, dans plusieurs salles, où il va y avoir des nids. Trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit, je ne trouve pas la télécommande, merci. Instandez. Ça, c'est parce que je suis en train de taper la télécommande parce qu'elle marche pas. Et on va arriver. Ouh, il y a des petits œufs. Je peux pas descendre. Magnifique. Est-ce que je peux y aller avec la voiture? Ça m'étonnerait. Je ne peux pas descendre. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, super. Peux-tu avancer? Merde, je vais tromper de touche. Si j'appuie sur. C'est quoi la touche? Si j'appuie sur rond pour. Je peux avancer, c'est normal que ça marche pas. Et on va arriver dans une grande salle, et dans cette grande salle, il va falloir détruire des bidules. Voilà, je suis très français, alors là, on peut faire tout le tour. Et moi, je prends un petit raccourci, voilà, boum. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ces trucs sont très moches. J'appelle ça des petits champignons oranges, ça ressemble pas vraiment à ça, mais c'est pas grave. Si vous voyez, il y a des petites boules noires, violettes, et des petites boules. Blanche, bleue,
le clair. Et en gros, bah c'est... Voilà, faut tirer sur la zone. Et en gros, ces trucs-là, les trucs noirs, bah, c'est pour les cônes noirs, et enfin les trucs violets, c'est pour les cônes noirs, et les trucs blancs, bah, c'est pour les cônes blancs. Bleu. Je dis de la merde, c'est parce que je suis concentré là. Parce que c'est pas si facile que ça. Bon, pour l'instant, on a pas eu d'émission hyper dure où j'ai beaucoup ragé. Ça va. C'est après, de toute façon je vous dis c'est après, je vais racheter du livre. Yeah! C'est de la merde. Oh, je l'ai cassé. Je fais pas tant de la merde tant que ça. J'ai eu trop peur, je crois que c'était du liquide. Enfin, c'est du liquide, mais on a pied. Oui, on a pied avec des roues. Je dis que de la merde. Arrête de tirer. Ce bruit est chiant. Wow, n'arrête pas de tirer. Et on a des volailles. On tombe sur la gueule, une espèce de chauve-souris toute moche qui ne ressemble à rien. Fais gaffe! J'essaye. Cette mission, elle est vraiment pas très compliquée. Hein. Franchement, à part tirer, c'est ça, hein. C'est vraiment, on fait que tirer et ça marche. Hein. J'appuie sur carré pour sauter. Je peux m'expliquer mon délire là. Je suis trop habitué à. Il n'y a aucun jeu où carré c'est pour sauter, mais c'est pas grave. Tu peux monter s'il te plaît? Merci. Je sais pas pourquoi j'appuie sur carré pour sauter. Bonne question. Tu me touches là? Non, tu ne touches pas. Aïe. Aïe. Ah! Monte. Vas-y. T'as un 4x4, tu peux monter partout. Tout terrain. Allez! Bon, tant pis, je perds de la vie plus qu'autre chose. Je peux moins gêne? Non, ça marche pas. Bon, comment on va monter du coup? Arrêtez de me tirer dessus. Ah, alien. N'importe quoi. C'est borderline. À gauche. Voilà. Non, mais tu. Mais tu déconnes! Ah, là-bas. Voilà, je fais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Hein. Peux-tu monter? Merci. Voilà, et le dernier. Voilà, boum. Et maintenant, on a un petit chrono pour retourner, parce que sinon, ça va faire. Ça va exploser. Je pense que c'est du gaz toxique. Ah, bah, il y a du gaz toxique. Donc, on a un chrono, soit avant de mourir, soit avant d'exploser, soit avant de je sais pas quoi. Œuf brouillé. Bah, c'est cool tout ça. Moi je préfère les œufs sur plat, c'est bon ça les œufs sur plat. Ou les œufs à la coque. Ou les œufs durs. Ou je vais vous sortir toutes les façons de cuisiner les œufs. Mais je vois pas en quoi ça. Putain c'est pas. Je vois pas en quoi ça ressemblait à des œufs. Personnellement, moi je voyais plus ça pour des cocons plutôt. Ah non, une petite bestiole. Et bah, on va refaire la même chose pour le petit raccourci. Je crois qu'on peut pas en fait. Si on peut. Hop, puis vraiment on fait tout le tout. Parce que moi j'ai trop la flemme. Voilà, c'est n'importe quoi cette partie. Ouais, c'est vraiment hyper facile, la voiture est super résistante et elle est overcheatée. En fait, c'est une des meilleures voitures pour tout ce qui est combat et tout. Enfin, je trouve. J'ai déjà acheté les autres voitures, elles sont pas. Je les trouve pas très. Je les trouve pas terribles, personnellement. Ok, Damus nous a parlé tout doucement, du coup j'ai dû m'arrêter pour comprendre. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Ah oui, j'ai acheté les autres véhicules, ils sont pas terribles. Enfin, personnellement, moi je les trouve bof. Ils dérapent très facilement. Je vais vous montrer ce qu'on doit acheter. C'est avec des orbes. Mais les orbes, j'ai plus les dépenser pour acheter des armes. Améliorer les armes plutôt. J'ai l'impression d'aller à 2 à l'heure. Je sais pas si c'est moi ou.
Je sais pas, c'est plus vite. Peux-tu me donner un boost? J'ai un petit peu plus vite déjà. Oh là, la lenteur, je pense que c'est parce qu'elle est amochée. Comme dans... Pouche ton cul! Comme dans... Comment ça s'appelle? Il y a un jeu de voiture là, je sais plus comment il s'appelle. Un vieux jeu par contre, hein. Enfin, c'est un vieux jeu. C'est sur PS3, mais c'est un jeu de course, c'est sorti il y a très longtemps. Je crois qu'il est sorti quand j'étais en 6ème. Donc il y a à peu près 4 ans, je crois, qu'il est sorti. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, on a trop de boost. Donc, on va mourir. On prend trop de dégâts. Alors, les... Mais pousse-toi! Allez, rentre. Voilà, alors. Ok, alors celle-là on pourra l'acheter. Bon, elle a pas l'air terrible. Je l'ai jamais utilisée, je crois. Enfin, j'ai dû la tester, mais utiliser beaucoup, je sais pas. Démon de poussière, celle-là aussi, j'ai déjà acheté. C'est à acheter. Par contre, c'est celle-là aussi, elle est à acheter. Et par contre, celle-là, je ne sais plus du tout si on l'achète ou si on l'a par défaut. Je ne sais pas. Bon bref, en tout cas on va prendre la puce des lunes parce que c'est la meilleure voiture du monde. On va faire méga saut. Boum. Voilà, ça commence très bien. J'ai perdu la moitié de notre vie. Non, je sais pas. Donc c'est parti, on va aller voir Ashlyn et on va voir un truc hyper cool qu'on a eu dans le 2. Ceux qui connaissent le jeu, vous avez très bien compris. C'est le meilleur truc du monde. C'est ce qui fait tout le jeu de Jack. Voilà. Il n'est pas dans le 1. Je pense que vous avez trouvé. Boum. Oh là là, le saut des vents. Lol. 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 J'y crois pas, je suis mort comme une merde. C'était ridicule. Non mais, d'où quand tu sautes comme ça et que tu prends un arbre, tu meurs. Je ne me souvenais pas comment ça faisait ça dans le jeu. On va essayer de pas refaire la même connerie. Ça pourrait être cool. En même temps qu'il y ait l'imbécile qui a inventé le... cette voiture là. Attendez, j'ai envie de faire un méga saut. Boum. Wouah. N'explose pas. C'est bon. Si on a raté sur les roues, ça va, ça passe. Oula, je vais vous faire un méga saut. Voilà, c'est l'épisode sauteur. Là, il y a une mission, il faut faire des tonneaux et tout. Enfin, un truc secondaire. What? Pourquoi t'as pas sauté? C'est n'importe quoi. Bon allez, j'arrête. Je sais pas, il a pas sauté. Il s'est dit non. Ok, il me tire dessus. Jusqu'à pauvre innocent. Boum. J'allais dire, on l'a même pas vu exploser. C'est n'importe quoi. Wow, 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 wow. Boum. Voilà. Il commence à arrêter d'un coup. Sans freiner. Non, non, c'est vraiment sans freiner. Alors, wow. Aïe. Attendez, raccourci. Tu vas me faire mourir. Voilà, c'est n'importe quoi. Une fois, j'ai réussi à bloquer la voiture. Je sais plus comment j'avais fait, mais j'ai réussi à bloquer une fois. Du coup, je l'ai eu dans le cul. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah bah voilà. Bah voilà. Les rebelles du désert. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire boum. Non, j'ai dit boum.
Bon, allez, on va tous les défoncer. Oh putain, ils sont 50! Et c'est... Tu crois que je fais quoi? Tu manques d'entraînement, tu sais. Ta gueule! Mais va te faire! Bon, moi je tire. Ça n'a pas fait. Par contre, Achille, quand je fais ça, je crois qu'elle prend des dégâts. On va faire un truc, on va faire. Ça servait à rien, mais c'est pas grave. Aïe! Je pars plein de vie là! Aïe! D'accord, je vais juste taper un petit délire. Mais foutez-moi la paix! Quoi, au secours, mais démarre-toi toute seule là! Oh, mais je prends trop cher! Mais c'est ce que je fais! Wow! Et what? Et je m'en prends plein la gueule! De la vie. Mais y a du courant! Non, c'est... Mais non! Mais y a genre le sable il m'attire et tout! Je me fais un peu des délires, mais c'est la sensation que ça me donnait en fait. J'ai l'impression de ne pas avancer en fait. Non, mais le téléphone! Voilà. Le téléphone de la Caprio! Téléphone de merde, bon, c'est pas grave. Petite sonnerie pour chaque épisode, ça peut être toujours sympathique. Hein. Mais putain, mais c'est qui me tire dessus à chaque fois? Dégagez! Voilà, je tire n'importe où. J'ai plus de balles. J'ai n'importe quelle arme. C'est n'importe quoi. Wow! Aïe! Grosse explosion, tatatitatata. Par contre, il va y avoir un petit message de merde. Goodbye! Mais ta gueule, je m'en fous. C'est moi qui prends le plus cher entre toi et moi. Ta gueule. Michard! Mais c'est quoi cette mission? Voilà, qui arrive tout, c'est pour quoi? Dégagez, aïe. On va faire un petit truc. On va aller dans les secrets. Et lorsque j'ai capacité de munitions rouges augmente. Non. Alors, upgrade des dégâts, upgrade de fréquence de tir, upgrade des dégâts. Ça peut être sympa. Tout ce bon gel. On va faire ça déjà. Acheter. Non. Annuler. Non. Et on va upgrade aussi ce truc. Voilà, je dépense mes ordres pour de la merde, mais c'est parce que c'est impossible. Je prends des dégâts toutes les 2 secondes. J'utilise mon A, n'importe comment. Allez. Vous prenez tout cher là. Vous prenez rien à votre life. Là, vous êtes déjà plus que la moitié. Quoi? Mais c'est quoi cette arme de merde? Mais what? Mais c'est n'importe quoi. Transformation. Quoi? Pourquoi j'ai pas pu? Je comprends plus rien. Boum! Voilà. Un petit peu de... Ah. Régène. Ça stoppe le temps un peu, c'est cool. Aïe! Mais les voitures me font des dégâts, mais vous y croyez? Regardez, il y a du vent! Vous y bien, je ne faisais pas de délire, il y a vraiment du vent. Eh, plus de 3, ils sont où? Ils sont où? Plus que 2, plus qu'un. Il est où? Mais what? Je le vois pas. Il est bugué. Je suis sûr qu'il est bugué. Non, en fait non. Jack, les amis ont besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai été banni d'Abriville. Alors qu'il se débrouille sans moi. Mais que fais-tu? Et toi? Attends, j'ai de nouveaux amis. Alors le héros que j'ai connu est mort dans le désert? Ou était-ce bien avant? Aurais-tu oublié qui tu es? J'ai plus envie de survivre. Oh Jack, arrête de faire la gueule! Et retourne à Abriville, merde! En plus, je vais pouvoir vous montrer un nouveau truc si on va à Abriville. Alors, regardez ce qu'on a eu, le jetboard! Le truc qui fait la beauté de Jack. Parce que... Ouais, le jetboard,
dans un truc, on avait vu des nouveaux trucs du style rond, quand on appuie sur rond, comme ça en fait ça fait des dégâts aux ennemis un peu. Et en fait, on peut aussi faire le. Et avant ça charge du parfum. Enfin bref, on se casse. Voilà, je m'extase. Alors, là, ce qu'on va avoir, c'est un nouveau pouvoir de Light Jack. De toute façon, à chaque fois, il y aura ça et on aura le pouvoir de Light Jack. Et ce pouvoir est mon deuxième pouvoir préféré. Mon préféré, vous allez voir, ça sera le dernier, forcément. C'est pas grave. Wow. J'ai pas fait la flotte, là. C'est n'importe quoi. Genre, il y a des ennemis sur la route. Donc, j'ai bien fait de prendre la libellule. Pourquoi je dis tout le temps à la libellule? La puce des dunes. Comme ça, on n'a pas eu besoin de faire un petit aller-retour. Du coup, c'est cool. J'ai même pas fait exprès, c'est juste que j'avais envie de la prendre parce que voilà, je l'aime bien. Et voilà quoi. Est-ce que je peux tirer en arrière? Non. Heureusement, non. Du coup, on va se bouger la nouille. Ah ouais, par contre, on est déjà 26 minutes. Ah d'accord. Arrête-toi. Ah ouais, bon bah, prochain épisode, le pouvoir. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Je suis pas tombé. Parce que je suis un BG. Mur. Non. Voilà. Au prochain épisode, donc on risque d'avoir le risque. On va sûrement avoir un nouveau pouvoir de Light Jack. Parce qu'il a plusieurs pouvoirs et tout. Et c'est énorme. Alors, en fait, c'est ça. Light Jack a transformé Jack. Maintenant, il est devenu pacifique. Donc, du coup, il veut plus aider les gens. Et j'ai pas envie de tomber. Ça m'évitera de refaire le chemin. Plus que deux sauts. Ou un, je ne sais plus. Et tu te remets bien sur la route, merci. Depuis quand les voitures font du deux roues comme ça? Un, tu m'expliques? Là, il n'y a pas de saut? Non, pas de saut. On va plus qu'un saut, on n'a pas raté un fail. Vous allez voir qu'on va réussir le saut, mais on va se prendre le mur. Et pour être sûr. Juste trompé de touche. Je vais faire ça. Aïe! J'ai eu très peur. On a fait tomber comme des merdes. Enfin, j'ai failli tomber comme une merde. Et vous, vous allez faire, mais putain, t'es nul! Voilà, la violence. J'éternue. Alors, pas où c'est? Bonne question, je ne sais pas. Sûrement par là, mais bon, ça m'étonne. Des monstres! Reviens là. Je m'en fous, j'ai du jetboard maintenant. Non, j'ai pas du Dark Jack, j'ai du jetboard. Oh, cette gérante. C'est magnifique. On va se recharger en Dark Jack. Boum. Voilà. Il y a quoi là-dedans? T'es mune. Parfait. Je crois qu'on va avoir une petite épreuve. Il me semble bien. Alors, c'est par là? Non, ce n'est pas par là. C'est par là-bas. Bah oui, forcément, le pouvoir, donc ça, le truc qu'elle nous a donné, ça ouvre ça. Et bah oui, nous y voilà. Et bah ça marche. Et bien, nous y voilà. Et ça marche. Sauf que vous voyez des trucs, et bah non. Et bah non, vous verrez pas la suite. On va s'arrêter dans ce couloir magnifique. Ouais, par contre, il y a beaucoup d'ennemis là. Trop d'ennemis à mon goût là, c'est n'importe quoi. On va s'arrêter là pour cet épisode plutôt sympathique. On a pas fait beaucoup de missions, mais on a fait 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, on avance plutôt bien. Alors, on va sauvegarder, on est à 32% du jeu. Vous voyez, ça monte très très vite. Hein. En une vidéo, on a pris presque 10%. Bon, je sais pas compter, 32, on est à combien? 27, 32, on a pris 5%. Bon, c'est bizarre ça. Oui, c'est à peu près. Non, on a plus, on prend un peu plus. Enfin bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et donc, on se retrouve pour de prochaines aventures. Enfin, ou de vidéos. Et c'est presque pareil parce que c'est un jeu d'aventure. Bon, allez, salut!